Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce livre-là. Je vais juste essayer de faire qu'il n'y ait pas de reflet, je suis encore désolée, hein. Je vais essayer d'améliorer ça pour la suite. Voilà. Ce livre qui est donc Le Royaume Magique de Landover et qui a été écrit par Terry Brooks. Le livre que je possède, c'est une intégrale, enfin que je possède, c'est pas le mien, on me l'a prêté, mais c'est une intégrale dans laquelle il y a les trois premiers livres, et il existe, sauf erreur, une deuxième intégrale dans laquelle je crois il y a les trois suivants. Voilà. Comme d'habitude, je vous laisse ici un minutage pour que vous puissiez y aller directement à la partie qui vous intéresse. Si tout vous intéresse, on commence tout de suite avec un mot sur l'auteur. Terry Brooks, un Américain né le 8 janvier 1944 dans l'Illinois, est l'un des auteurs phares de la fantasy. Avant de devenir un auteur à succès, il a travaillé en tant qu'avocat, bien qu'il ait toujours rêvé d'être écrivain. La lecture du Seigneur des Anneaux s'est avérée être LE déclic dont il avait besoin pour se lancer. Son premier roman, L'épée de Shahanara, sort en librairie en avril 1977. Le succès lui ayant souri, il écrit la suite, puis devient, année après année, une référence de la littérature fantasy. Lors de l'écriture du Royaume Magique de Landover, le livre dont je vous parle dans cette vidéo, Terry Brooks se sert de sa propre personne pour donner vie à Ben Holiday, son personnage principal. En 2017, après l'écriture de nombreux autres romans, il obtient le prix World Fantasy dans la catégorie Grand Maître, qui récompense l'ensemble de la carrière d'un écrivain. Voilà. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur Terry Brooks, je vais passer à la lecture de la quatrième de couverture. Tous vos désirs deviendront réalité dans ce royaume d'un autre monde. Depuis la mort de sa femme, 2 ans plus tôt, Ben Holiday, avocat talentueux, est en pleine dépression. Un soir, il découvre dans un catalogue qu'un royaume de contes de fées est à vendre pour $1 million. Prêt à tout pour redonner un sens à son existence, il s'embarque pour New York, afin d'y rencontrer le mystérieux vendeur, Monsieur Mix. Ce dernier, après l'avoir convaincu de l'existence d'un tel lieu, lui fait signer un contrat en bonne et due forme et l'envoie en Virginie, en plein cœur de la forêt nationale, George Washington, près de la ville de, je ne sais pas comment on prononce, Lynchburg, je pense, je vous l'écris ici. Ben y découvre un passage qui le conduit tout droit vers le royaume magique de Landover. À peine arrivé, il découvre que le vendeur ne lui a pas tout dit. Voilà, pour la quatrième de la couverture. Concernant maintenant le résumé. Alors, c'est un tout petit peu difficile de vous faire un résumé parce que j'aimerais pas du tout vous spoiler les choses. On parle, enfin déjà au début du livre, donc du tout premier livre, hein, pas de l'intégrale, du premier livre qui fait partie de l'intégrale. On suit pendant un long moment justement Ben Holiday, on apprend à le connaître, on sait qu'il est avocat, il a un associé avec qui il est très proche. On apprend aussi qu'il est très très affecté par le décès de sa femme, il a vraiment mis sa vie entre parenthèses. Et puis justement un soir, hein, il découvre cette annonce. Donc d'abord il sait pas trop s'il doit y croire, et puis finalement il y croit, il se rend donc à New York, et il rencontre Monsieur Mix. Il finit par acheter le royaume, je spoilerai, enfin vous imaginez bien qu'il n'y aurait pas d'histoire s'il n'achetait pas le royaume. Hein. Donc il achète le royaume et il arrive dans ce royaume. Et là il va rencontrer beaucoup beaucoup de gens. Et c'est vrai qu'il ne s'attend pas du tout à voir les choses. Enfin, quand on lit l'annonce, tout a l'air tout beau, tout rose. Alors ce qui est vrai dans le sens que l'annonce ne ment pas, il y a effectivement les choses qui sont à l'intérieur, il y a un monde magique, il y a... Oh d'ailleurs, il y a un truc que j'ai trouvé super chouette, c'est que à Landover, il y a plusieurs lunes. Ça a vraiment l'air d'être superbe. Donc voilà, tout ce qui fait partie de l'annonce, dragon, sorcière, etc. C'est effectivement, il y a tout ça à Landover. Maintenant, donc Ben Holiday va arriver en tant que roi. Et ça va être un petit peu compliqué pour lui de se faire une place. Enfin, il devra... Comment je dirais, il devra vraiment batailler pour pouvoir être roi. Et puis on va découvrir qu'en fait, Mix est... Comment je vais dire ça sans vous spoiler? On va apprendre certaines choses sur Mix, voilà, on va dire ça comme ça.
Et puis, tout ne sera pas tout rose et ce sera rempli de péripéties. Voilà. Pour le résumé, je crois que je vais m'arrêter là et je vais plutôt vous en dire plus dans mon avis. Donc, on passe tout de suite justement à mon avis, à toute cette histoire, dans mon avis par rapport à toute cette histoire. Voilà, excusez-moi. Donc, le livre, c'est une amie qui me l'a prêté. C'est celui de sa maman. C'est donc, comme vous avez certainement pu le constater par le résumé, c'est de la fantaisie plutôt adulte, enfin même très adulte. Je vous ai déjà parlé justement d'autres livres qui étaient fantaisie ou science-fiction, plutôt jeunesse. Et là, moi par exemple, enfin non, déjà j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé suivre les péripéties de Ben, enfin tout ce qui s'est passé, etc. Avec tous les amis qu'il rencontre, il y a vraiment certains personnages qui sont très attachants. Maintenant, moi j'ai trouvé qu'il y avait certains passages où on s'étirait vraiment au niveau de la description et j'ai eu un peu de mal à accrocher. Je dois vous avouer que si mon avis, pardon, si mon ami n'avait pas vraiment adoré ce livre, j'aurais eu beaucoup de mal à lire plus que le premier livre de cette intégrale en fait. Parce que effectivement, j'adore l'univers. Vraiment, c'est très chouette. J'aime beaucoup toutes les idées de l'auteur, c'est vraiment cool. Maintenant, il y a des bouts, c'est un petit peu long pour moi, hein. Je sais qu'il y a des gens que ça ne gêne pas du tout, mais c'est vrai que, par exemple, il y a un moment où il va... Ah non, je peux pas vous dire ça. Je vous invente un exemple pour vous faire comprendre. Disons que j'ai envie d'aller monter à cheval. Je vais prendre... Enfin, je peux vous dire, voilà, je vais monter à cheval, je mets une selle sur le cheval et je monte. Que là, dans l'histoire, ça va plutôt être je vais créer une selle avec des lanières trouvées ici et là, je vais les assembler, je vais mettre sur la selle du cheval, je vais l'attacher, et puis je vais passer. Enfin voilà, en fait, par rapport à ce que moi, enfin ma manière de lire, enfin je sais pas comment dire, mais par rapport à ce que j'aime, des fois il y avait un peu beaucoup de phrases qui n'auraient pas eu besoin, à mon sens, d'être là. Maintenant, il n'empêche que, mon ami a également, enfin la maman de mon ami a également la deuxième intégrale et que j'ai quand même envie de lire. Donc j'ai aimé cette histoire et j'ai envie de connaître la suite, mais c'est pas un énorme coup de cœur non plus. Par contre, si vous, ça ne vous dérange pas ces longueurs-là, ou même que d'ailleurs vous aimez, parce que je sais qu'il y a des gens qui apprécient, ben je vous le conseille vraiment parce que ouais, le monde imaginé par Terry Brooks est vraiment, vraiment cool, je trouve. Et puis les personnages attachants, comme je vous ai déjà dit. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si mon amie regarde cette vidéo, elle va vraiment rigoler. Parce que c'est une phrase qu'apparemment je dis tout le temps. Donc, si vous voulez avoir un avis écrit, comme d'habitude, je vous laisse ici le nom de mon blog. Il y aura aussi le lien dans la description. Et si j'arrive, je crois que j'arrive, je vous le mets dans le petit. Sinon, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram parmi l'un de mes divers comptes, notamment celui peut-être dédié à mes lectures qui vous intéressera plus. Et puis. Je crois que je vous ai tout dit. On se retrouve tout bien. Oh, pardon. On se retrouve tout bientôt. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une bonne nuit ou enfin, je ne sais pas. Bref, tout de bon. Et prenez soin de vous. Allez, tchuss-li!